Кать, тоже включай оба. Да? So we can start. Nice change, no? Alexis, we sir? No. Alexis? But he wants to answer. No, I've seen. You sure? Hello, Satnam, Denise. Satnam, yeah, everything is ready. It is recorded. We can start. Yes, yes. Yeah, we can start. C'est tellement long, je crois. So we couldn't hear him because the speaker is off. I don't know. It's not on. Okay, time together. Mettez les mains ensemble. We can hear you and you. OK.
Can you hear? I finally can hear your voice. Yeah, yeah. Enfin, tout le monde peut s'entendre. Parfait. C'est un miracle. Ça arrive parfois. Okay, let's tune in all together. Nous allons rassembler. Oh. Namo Good evening, everybody. Bonsoir tout le monde. Enfin, nous sommes au milieu de ce temps très chaud et beaucoup de vent. Nous venons de terminer une semaine folle, incroyable, du niveau 1 de la semaine d'immersion. Et c'est incroyable et magnifique de voir ce que l'on peut générer en fréquence et un niveau de compréhension et d'élévation. J'ai entendu par vous, les gens dans le nord de la Russie, que vous avez eu une semaine incroyable. Et je pense que ceci est un signe, une direction dans laquelle nous devons aller. C'est un temps où on va voir le futur avec un luminaire positif et se supporter les uns les autres, se soutenir et commencer à créer une communauté qui change, une communauté qui est une vision différente, une communauté d'énergie. Et pour cette école, après la semaine, l'année passée où nous avons loupé les semaines, nous avons pu reconnecter et rétablir ce centre, ce cœur de l'école, ici dans l'Ouest. Et nous voyons à quel point ceci remplit nos intentions, nous aligne avec nos missions, avec notre mission d'âme. Donc, aussi de partager autour d'une vision de comment nous pouvons, de manière pragmatique, proposer une nouvelle planète. Nous sommes en train d'entrer à un portal déjà depuis le dernier mois, qui est totalement chaotique. Et ceci est pour des personnes qui sont en avance sur le temps, mais cela va rejoindre vraiment toutes les personnes de cette planète. Et en direction de l'hiver, les choses vont devenir beaucoup plus difficiles et beaucoup de personnes vont être dans une difficulté extrême. Nous devons avoir de la proximité et avoir de la connexion avec les lieux dans lesquels nous vivons,
et non pas seulement dans Zoom, mais en se supportant les uns les autres, et aussi de manière émotionnelle et de manière spirituelle. Ce qui est en train de se passer est une amplification de toute la galaxie, et tout s'accélère de manière très rapide. L'énergie que nous recevons va au travers de notre corps physique, est une énergie transformatrice qui transforme notre nature du corps physique. Et cela amplifie nos capacités de ressentir. Et donc, si l'on se ressent de manière dépressive ou si on est dans l'anxiété ou dans la peur, cela ne va pas se réduire. Et se battre pour essayer de sortir de ceci, cela génère juste de l'énervement et de la violence. Et nous allons voir ça de plus en plus dans les rues, car une chose importante, l'individuel devient de plus en plus conscient de son propre droit en être humain. Et il y a une totale disruptivité entre la puissance qui sont en charge de manager toute la société et ceux qui sont en train de vivre dessous de cette force. Donc, quand on se donne du pouvoir et tout le monde est en train d'augmenter son pouvoir, on rentre dans un champ d'énervement et d'agressivité pour soi-même et pour les autres. Je comprends que les circonstances sont compliquées et qu'elles sont extrêmement lourdes, mais ce n'est pas une raison pour laisser tomber son spirit. C'est une question de fréquence. Nous avons été gratifiés depuis tant d'années pour pouvoir joindre la pratique du yoga, qui est une pratique qui peut amener exactement là, en dehors de la dualité, en-dessus de la dualité du monde dans lequel on vit. Je l'ai dit déjà le mois passé, mais c'est de plus en plus important aujourd'hui que soi-même, on vit à l'intérieur de soi-même et non pas à l'extérieur. Vivre de l'intérieur vers l'extérieur, connaître qui on est, perpétuer cette connexion avec son soi qui est totalement illimité. Quand on est connecté avec sa respiration, cet simple exercice de respiration, se focaliser, se connecter sur son corps physique, cela ramène à réincarner son âme pleinement au niveau de votre présence. Et quand cette présence est là, ce que vous découvrez est le silence. Nous sommes contraints à tellement de confusion, c'est totalement ridicule. Mais on ne peut même pas rigoler de cela. Mais on peut rire à l'intérieur de soi. Le sens de l'humour, le rire intérieur, il faut le garder, le nourrir, le maintenir, peu importe ce que l'on traverse. Et peu importe ce qui va nous toucher, pour nous rappeler que tout ce qui est l'expression d'une fréquence basse est une illusion. C'est une illusion. Il n'y a pas de dualité. La noirceur n'existe pas, la lumière n'existe pas, elle n'est pas en contrainte avec la darkness. Tout est la même chose. Il faut éteindre son émission de YouTube et l'intoxication et prendre l'information de d'où elle vient, de la vie que vous voulez vivre et comment vous pouvez reconsidérer les conditions de votre vie aujourd'hui dans le contexte dans lequel vous êtes. C'est très difficile. 50 ans auparavant, 80% de la population étaient des gens de la terre, des agriculteurs. Aujourd'hui, plus que 2%. Notre population est en train de se réduire pleinement de nourriture et nous allons être risqués de manquer de nourriture. Il y a un changement fondamental
et l'abus de la planète à un niveau tellement élevé que l'univers est en train de nous stopper de cette insanité. Je veux partager avec vous une vision que nous avons partagée beaucoup d'années auparavant. Et c'était tellement inspirant que je pense qu'il faut renouveler notre manière de voir et d'entreprendre et d'avoir aussi le courage de le faire se passer. Voici les affirmations pour le futur. Le temps est maintenant. Le futur est né. Des choses que nous faisons aujourd'hui. Nous pouvons choisir d'unifier en tant qu'humanité dans l'unité. Imaginez un monde qui obéit à la Terre Gaïa et qui ne l'exploite pas pour le profit, où les femmes sont respectées, où les enfants sont protégés et nous faisons que tous les besoins de chacun soient protégés. Pas de terreur et que la guerre se soit dissipée. Inspiré de la paix, la confiance, nos différences ne seraient pas une peur. Nous parlons du cœur et écoutons nos cœurs. Nous apprenons de chaque chemin que nous faisons. Les leaders ne sont pas des fanatiques ou qui disent qu'ils ont reçu un appel ou des religions qui proclament que tout est juste chez eux. Mais Dieu connaît tout. Les leaders sont ceux qui sont connus pour élever les autres pour ce qu'ils sont et de leur force. Ce qu'il y a à l'intérieur est à l'extérieur. Comment peut ce moment d'âge d'or peut-être arriver, comment notre esprit peut s'éveiller? C'est notre responsabilité aujourd'hui de se connecter pour ouvrir notre troisième œil. Quand vous êtes dans une fréquence élevée et voir cette planète en paix, dans l'harmonie, et de voir que les gens ont voyagé depuis plus de 40 ans. J'ai rencontré des gens russes, des Américains, j'ai rencontré des gens de partout, même de l'Afrique. Nous sommes tous magnifiques, des humains. Il n'y a aucune raison de se battre. Cette planète, elle est remplie de beauté. Et que faisons-nous? Je crois que ce qui est en train de se passer, c'est un grand arrêt dans les gens qui ont été élevés comme des managers et des faiseurs dans la réalité d'aujourd'hui, car ces gens-là sont seuls, on ne peut pas stopper cette machine. Même si nous devenons conscients et ouverts, avertis, le tout peut se passer que si le collectif devient conscient. Et c'est ce qui est en train de se passer de plus en plus. Se joindre à cette rivière de gens qui s'ouvrent, qui sont conscients, et fêter ensemble et amplifier cette fréquence pour pouvoir balancer, aider les gens qui vont au travers de fréquences basses. Aller au travers de l'âge du Verseau n'est pas juste de l'entrée. C'est un énorme changement. C'est un changement total. Et beaucoup de gens sont encore en train de se nourrir des valeurs du vieux, de l'ancien. L'ancien est en train de se séparer. Il ne peut pas se maintenir. Même l'argent, l'or est en train de disparaître. Nous devons être prêts avec presque rien du tout, ou même rien. Rappelez-vous, le lendemain quand le Covid a commencé, que tout a été arrêté, les oiseaux ont recommencé à chanter.
certaines possibilités et que tout change très rapidement de manière drastique, mais il faudra que nos vies soient réadaptées d'une certaine manière. Mais cela va se passer. La question maintenant, c'est comment pouvons-nous, de manière de petits groupes, de petites unités, se préparer de manière pragmatique à des solutions et ne pas rêver, ce n'est pas le temps de rêver à d'autres manières de générer l'électricité, mais dans notre région, dans là où on est, de trouver des solutions pour générer ça, dans laquelle vous ne pouvez pas être en train de violer la planète, mais la respecter et trouver une nouvelle relation avec celle-ci. Et ceci, nous pouvons le faire de manière collective. L'individu ne peut pas fonctionner tout seul. Nous devons être ensemble. Et dans ceci, dans la proximité, conseil, nous devons être beaucoup plus pragmatiques sur le changement et non pas seulement penser sur les solutions pour les autres, pour les pays, mais vraiment pour soi-même et son environnement. Les gens autour de nous, avec, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment pouvons-nous faire une nouvelle perspective de vie commune où nous sommes? Ou, si ce n'est pas possible, aller ailleurs et voir dans des zones où on peut considérer cela. Voilà, ceci est mon conseil pour ce mois. Dans l'école, nous avons découvert ce qui est fondamental, c'est de partager les connaissances de l'enseignement. Et chaque enseignant nage seul dans un grand océan. Il a besoin d'être nourri et d'être inspiré. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons s'inspirer les uns les autres. Vous pouvez le faire aussi dans la proximité avec les gens que vous avez et les amener à s'ouvrir à cette même vision, partager vos idées, vos perspectives, partager vos repas et mettre ceci en commun pour générer quelque chose qui fait du sens, que vous pouvez vivre dans un lieu, dans un endroit qui est durable, qui est sur du long terme. Vous n'allez pas le faire toute la nuit, tout le temps, mais il faut se préparer, s'investir quand vous avez la possibilité et le réaliser dans les mois qui viennent, quand c'est encore possible. Nous n'allons pas aller dans la rue pour protester, nous n'allons pas aller se manifester notre frustration ou notre énervement. Ceci ne fait que amplifier l'énergie qui est sur la planète. Mais soyons constructifs, soyons des gens du nouveau, commençons à générer le nouveau à l'intérieur de nous, pour nous et pour l'environnement. Créer de nouvelles unités, des connexions avec des autres gens qui font la même chose que vous. Il y a énormément d'initiatives qui sont en train de se passer sur cette planète. Beaucoup de gens se connectent avec des nouvelles perspectives, avec des nouveaux villages, avec des nouvelles perspectives de production. Se connecter est vraiment une manière de s'inspirer et d'inspirer les gens. Le vieux monde est en train de se démanteler. C'est là que nous allons. Soyez dans le silence et souriez. Le silence veut dire ne pas se positionner dans la dualité pour ou contre. Nous ne sommes plus dans un temps où vous pouvez prendre un drapeau et aller avec un groupe de personnes, mais c'est avec soi-même, l'alignement avec soi-même, avec son soi juste. Alors, comment pouvons-nous faire ceci? Dans le Kundalini, nous avons la pratique de la sadhana, où on se réajuste tous les jours avec sa fréquence. Ce n'est plus une option aujourd'hui, il faut le faire. Si vous aimez vraiment l'être humain et la planète, vous allez augmenter cette fréquence. Et si vous gardez cette fréquence, focalisez-vous sur votre respiration. Ce qu'il y a au-delà de la consommation et de la possession et de l'environ, c'est la respiration. La respiration est infinie. Nous respirons tous les jours. C'est infini, c'est ce qui nous permet d'être durable. Et dans le rythme de la respiration, vous pouvez réguler votre corps émotionnel
et laissez votre esprit se calmer. Et vous êtes dans le contrôle de l'esprit. Et vous êtes le maître de la dualité. Ce time is now aujourd'hui est dans l'enseignement du pranayama et les exercices qui sont autour du contrôle du prana et créer le prana pour réajuster le prana est fondamental. Aujourd'hui, il y a tellement d'influence qui vient de l'extérieur que nous devons absorber et le dissolver. Absorber, dissoluer. Nous ne créons pas une bulle dans laquelle nous pouvons nous cacher. Nous ne sommes pas les ermites, s'exclure du monde. Nous sommes totalement dans le monde, respirer dans le monde, in and out. Et nous aspirons la merde et nous expirons l'or. Nous expirons la lumière. Il y a deux personnes de people, des gens qui commencent la merde et qui l'amènent partout, et d'autres qui prennent la merde et qui la transforment en beauté. Donc voilà, je pense que vous comprenez dans quelle direction nous sommes. Comme des enseignants, nous prenons ces gens-là et nous retransmettons ceci comme de la lumière. Nous aspirons cette énorme transformation de la planète et la merde qui est en train de se passer, et nous marchons avec grâce et lumière et transformons ceci. Voilà, nous allons rentrer dans la pratique pour ce mois. Lorsque vous amenez de la paix à l'intérieur vers vous-même, vous vous connectez automatiquement avec cette joie intérieure. Et c'est ceci que vous pouvez et voulez partager avec les autres. Amenez votre joie et partagez ceci avec les autres. Peu importe, car cela ne dépend de rien du tout. Ça dépend uniquement de votre propre conscience et de là où vous êtes. Nous sommes tous aujourd'hui en contact, en ligne, parce que nous partageons de l'amour ensemble. Et peu importe où vous êtes, vous partagez cette fréquence qui est un impact magique sur cette planète. Alors, nous allons pratiquer aujourd'hui. L'idée est d'être dans la douceur, dans la profondeur. Soyez dans le silence. La première pratique est de se relaxer totalement à travers du souffle. Et la posture, montez les bras à un peu moins de 60 degrés, juste sur le côté. Et la main droite regarde vers le haut et la main gauche regarde vers le bas. La paume droite vers le haut, la paume gauche vers le bas. À peu près 40 degrés au-dessus de l'horizon. Ça va activer la gorge et le thymus et le cœur. Et nous allons inspirer très profondément. Ceci est quand les guerriers vont marcher pendant des kilomètres avant de trouver le champ de bataille pour aller au-delà de la peur, ils sifflent. Nous allons aussi siffler pour relaxer l'intérieur, et en sifflant, nous allons relaxer l'extérieur. Comme les oiseaux, nous allons amener un sifflement joyeux et nous allons le faire avec Ardas Bai. C'est une chanson classique. Can you hear it? Yeah, we can hear. Okay. Sifflin. Amar Das Guru.
Everything will work. Inspirer, tout simplement inspirer et siffler. Voilà, la respiration, c'est inspirer et à l'expire, on siffle avec la musique. Thank you.
Inhale deep. Inspirez profondément. Ressentez l'énergie au sommet de la tête et tout autour de vous, dans votre environnement, qui a été affecté par votre sifflement. Et ceci n'est que de la joie, une fréquence de joie dans votre cœur. Soyez dans la joie d'être qui vous êtes, de pouvoir respirer. Expirez. Le sifflement est une pratique qui est connue depuis très longtemps, une transcendance, méditation de transcendance qui active la glande pituitaire et qui contrôle tout le système glandulaire. C'est très puissant pour neutraliser notre état émotionnel et se rééquilibrer très rapidement. Le deuxième exercice va venir travailler sur le mind, le mental, pour avoir un équilibre entre les deux hémisphères, gauche et droite, et le globe frontal reptilien, pour pouvoir être dans la créativité et ne pas avoir de doute, et être dans la confiance de voir ce que vous voyez et de faire ce que vous voyez. We bring the Jupiter locked in, the Saturn touching, so it makes like a heart, and you bring this in front of your heart center. Créez un cœur avec vos mains et amenez ceci devant votre cœur. Ce mudra dissout la dualité dans le mental. Nous allons faire un pranamaya qui est prana apana. Nous allons inspirer pleinement et expirer pleinement dans le flux. Et nous allons écouter la chanson de Satnam Sri Waheguru très rapidement. Et dans le mantra, vous voulez garder 11 fois le mantra et après expirer et laisser à vide 11 fois le mantra. Et vous pouvez visualiser l'étoile de 5. Satnam Sri Waheguru, Satnam Sri Waheguru, Satnam Sri Waheguru, Satnam Sri Waheguru. Faites 2 fois 5 et le dernier, 11e au milieu. Inspirez, gardez, comptez jusqu'à 11 les Satnam Waheguru. Expirez pleinement. Satnam Sri Waheguru to exhale. Prendre un Satnam Sri Waheguru pour expirer et garder à nouveau 11 à vide Satnam Sri Waheguru. Maintenir la inhale. Inspirez, gardez 11 fois, expirez et gardez 11 fois à vide. The other fingers are locked in. The ring finger and the pinky are locked in. So we have these three and the others are inside. Yeah, like this. Back straight. Satnam Sri Waheguru, 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 Satnam Sri Waheguru.
Satnam Sri Wahiguru. 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 Satnam Sri Wahiguru.
Satnam Sri Vaheguru, 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 Satnam Sri Vaheguru. Satnam Sri Vaheguru, 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 Satnam Sri Vaheguru,
Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru, Satnam Sri Vaheguru. Inhale, inspirez profondément. Observez comment est l'espace de votre mental maintenant. And exhale. Et expirez. It's a key pranayama to really control your space within yourself, space around you. So we're going to now boost our own prana to have more vitality, more more spontaneity. And this is a long self-empowerment with the long Om Soham. Om Soham. Om Soham. Vous allez le chanter longuement dans l'expire. On expire avec le son. Every exhale is completely emptying. L'expiration est totalement vide, totalement nos poumons. Vous allez l'apprendre après 2-3 fois. Nous allons faire une croix avec les doigts de Jupiter au milieu des deux premiers doigts de Jupiter et ils sont devant nous. Et quand vous allez chanter Hong So Hong et quand on chante à l'exhale, l'air vient toucher, vient frôler les deux doigts. Chantez dans l'excel. Ready? On met le mudra devant vous. Expirez. Videz-vous. Inspirez. Et chantez. So.
Inspirez profondément. Exhale. Et expirez. So we had
Nous avons eu des gens qui ont posé des questions. Gobind Kirpal. So it's in French, so I suppose he's... C'est en français. And he's facing the father of two children of 7 and 13 years old. Il est le père de deux enfants de 7 et 13 ans. Et comment va être le futur? Dois-je leur, la question est, dois-je leur mentir et leur dire que tout va bien se passer, ou dois-je leur dire la vérité, et comment je dois me positionner en tant que parent pour cette nouvelle génération? Voilà la question. Comprenez que le yoga n'est pas une question d'espoir ou de désespoir, de rêve de ce qui est, va être demain ou ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui est aujourd'hui. Tous les jours, nous avons nos problèmes et tous les jours, nous avons des moments d'illumination. Ce n'est pas le contexte. Il faut entraîner les enfants à être calmes dans leur mental et d'être capables de pouvoir se contenir, de les inviter à être prêt à être aujourd'hui dans ce que vous vivez aussi. C'est eux qui sont déjà en train de créer quelque chose de nouveau. Il y a tellement de choses où l'on peut s'engager. Ce n'est pas de changer la planète de manière radicale, mais même si le réchauffement climatique va devenir de plus en plus compliqué, il y aura toujours des chemins pour pouvoir s'adapter à la situation. Nous aurons probablement à nous déplacer, nous devrons transformer notre vie. L'humanité a été au travers de tant de changements, de déplacements. Il y a toujours une place où nous pourrons aller et continuer le voyage. Les enfants sont prédestinés à être en face des engagements de demain, et il ne faut pas leur donner du rêve ou de l'espoir, et simplement leur donner la possibilité de ne pas s'attacher au monde qui est en train de disparaître, mais valoriser les capacités humaines et la capacité de se maintenir. Avoir un système nerveux fort et un bon système glandulaire. Je ne prêche rien du tout. Laissez-les découvrir. Il n'y a pas à leur présenter un monde qui est en désespoir. Il se passe jour par jour. Il change, il se reconstruit et les miracles sont tout le temps en train de se passer. Les choses change de manière radicale et beaucoup, beaucoup de choses peuvent changer. Nous ne sommes pas là pour anticiper le futur ou le peindre, nous sommes là pour créer le futur d'aujourd'hui. Et la manière dont je suis aujourd'hui, je suis sûr que demain sera basé sur cette attitude. Voilà, nous allons fermer cette session, amener l'amour, la joie autour de vous durant l'été, et soyez prêts à recevoir l'automne et voir ce qu'il va à nous donner jusqu'à l'hiver. Merci. Amour à tous. Nous aurons le festival, le Soma Tantra au Martinet le week-end qui vient, et la semaine d'après il y aura une semaine de nouveau de l'éveil de soi. Le temps est à la disruptivité et il faut continuer. Inspirez profondément. Ça. Ça.
Au revoir à tous, beaucoup d'amour. Merci. Thank you, Dennis. Thank you, translators. I don't know who was here today. We didn't have time to say hello. Eve? Okay, thank you. Yeah, thank you. Thanks, everyone. Bye-bye. Thanks a lot. Thanks for great practice, that's all right. Yes. Great. Thank you. Bye. Until next month. Yeah. Bye-bye. Oh, Karta is gone. So if somebody wants to join,